Sur Azette au Luxembourg. On y va quand on a 17 ans et qu'on habite Villerue, de l'autre côté de la frontière. Villerue. Tout a commencé il y a 100 ans. Avec les grands-parents, venus d'Italie ou de Pologne, pour y trouver du travail. Maintenant, pour les 10 000 ouvriers, la population active de Villerue, le travail est devenu un problème. Des usines ferment. Les Terres Rouges, Aubrive, demain Micheville. Privé de travail, il faudra partir, quitter cette petite ville de Meurthe-et-Moselle à la frontière du Luxembourg. Tous ces problèmes modifient, perturbent les relations sentimentales et familiales à Villerue. Eric, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Eric et Mireille, aimez-vous l'un l'autre à l'exemple du Christ et de son Église. Quand les jeunes viennent nous trouver, nous, c'est à l'occasion de leur mariage. Tous les jeunes se marient à l'église, à Villerue? Non, sûrement pas tous les jeunes, mais une très grosse partie demande le mariage à l'église. Pour faire plaisir aux parents? Oui, souvent. Souvent, mais pas toujours. Hein. Pas toujours. Et en 20 ans, depuis que vous êtes là, est-ce que les choses ont changé? Il y a déjà des gros changements, rien que sur la ville, à cause du travail. Hein. Vous avez déjà les fermetures d'usines. Fermeture de mines, fermeture d'usines. Alors vous avez déjà des conditions humaines qui ont terriblement changé. Et au niveau des jeunes, c'est sûr qu'il y a aussi pas mal de changements.
À l'époque, il y a 20 ans, tous les jeunes, pratiquement, ils allaient au centre d'apprentissage, ou d'Aubrive, ou de Micheville. Ceux qui faisaient des études plus loin que le CES, la troisième, c'était excessivement rare. Ce qui me frappe le plus, c'est la place beaucoup plus importante qui est laissée à la jeune fille.